Je me souviens de ma mère aux cheveux bouclés et de sa peau qui sentait la cannelle. De mon cousin, à qui je rendais visite par les jours d'orage. De ses jeux de guerre avec les copains, sans que nous n'ayons jamais eu l'idée de ce que cela pouvait vraiment être. Je suis venue pour être peintre et je serai soldat. Chaque jour, la mort se rapproche de moi. Les abeilles rôdent et font de nouvelles victimes. Les combats sont tellement violents qu'on a oublié pourquoi on se battait. Les marmites pleuvent dans une averse de sang. Les obus démembrent et pulvérisent mes camarades. Voir, sans être vu, c'est mon objectif. Cacher les autres, les dissimuler aux ennemis, camoufler. Le combat cesse enfin. Je suis encore là, en vie, même si mon corps me lâche. En face de moi, un homme sale à moitié défiguré. Cet homme qui me fixe dans la boue, c'est un ami, un de mes plus vieux amis, Charles. Au milieu de la boue, je me précipite dans ses bras. Si on m'avait dit que je te retrouverais là après tant d'années, tu crois qu'on va s'en tirer? J'en suis certain. Il est blessé à la jambe. J'attrape son bandage pour arrêter l'hémorragie. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera libre? Je le regarde interdit. Étrangement, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais Jules, insiste-t-il, tu n'as jamais pensé...